Cher ami internet na apesi bino mbote bisika bozali bozabongo en direct ya Fleur Monde HD ya Demboué momo samande fu azalaka moko la Paris lelo na zo ya mbelabino mpaya ya sika hein akona kombo ya Gizardo Aouti Crey aza musicien rappeur asalara plusieurs styles afro trap ba rap ba R&B ba bino so twana ye asalara ngome ye moko ba ako expliquer biso inspiration ya musique uta kiwapi ako qu'on sait faire de quoi, hein, qu'on expliquait Bissot, et si Gaïa Outana, et si Gaïa Abanda Musique. Donc, sans plus tarder, déjà, on peut s'inviter Nangaï. Bonsoir. Bonsoir, Awemo. Merci encore de me recevoir sur ton plateau. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, merci beaucoup, Gizardo. On dit Naoucho Loba en introduction, la présentation. Nayo, au Salara, plusieurs styles y a musique. Déjà pour tout bandana wana non linga oyi bisa ba fan na biso ya Fleur Monde HD o uchi wapi o botami awa na France to botama na ko ngopo na bidolo balingala donc biographie na en fait bon logo oyi déjà que na lo balingala donc na lo bongo pe na lingala na pesi te rolo ba pe na français bon voilà je dis bonjour à tous les fans de Fleur Monde TV. Donc moi je suis l'artiste Gizardo, comme la journaliste elle vient de vous expliquer, j'ai fait pas mal de musique qui se trouve actuellement sur ma page officielle, donc vous pouvez y aller voir, Gizardo D143, et là je continue encore mon parcours, c'est vraiment ça qu'on va parler d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gizardo. Déjà Gizardo ça veut dire quoi? Bon, Gizardo, c'est parti sur la rigolade en fait. C'est un ami qui m'appelait Giz. C'est quand on traînait ensemble, quand j'ai commencé aussi, il m'appelait Giz. Mais après, vu qu'il y avait un artiste qui s'appelait Gizmo, on a dit bon, nous on va essayer de mettre Gizardo. Big up déjà à l'artiste Gizardo. Gizmo, on est ensemble, merci. Et c'est là qu'on a fait le mélange. On a mis Gizardo, oui. Tout ça, lui, moi, mélange moro. Et on a mis Gizardo. Ah bon? Et ton vrai nom? Mon vrai nom? Nom de famille, comme dit le Congolais, nom, poste et nom, et les prénoms. Bon, sauf vraiment un peu ça, combo nanga. Moi, je m'appelle Grace N. Sondi. Je suis né à Kinshasa, na Jamaïque. Na mon na Jamaïque, na Kitambo. Donc, na koli na Yolo, na koli na le Kisipe, tananga, mwanda mouna limba en fait. Punaya, donc Babimosa, donc. Je tiens à vous dédicacer déjà. Merci encore, c'est très gentil. Les habitants de Motsikil, montagne de Tsikil, dans Balangalema. Déjà, Bambo Tessika Bozalia, Tota Banambinza, vraiment Tota Makula Blonde, Moussa Pembe, Tota la J d'Orange, la princesse J Trône. Ce qu'il y a dans quatre musiques, il y a moi la Yolo, il y a moi la Jamaïque, moi la y a Lemba, on s'est retrouvé dans quatre rap. Comment tu t'es retrouvé dans le rap? Bon, en fait. Comment je me suis retrouvé dans le rap? Déjà, pour commencer, la RDC Mbo Cannabiso, tu veux dire que c'est un pays musical. Oui. Ça veut dire, musico et botaminanga et komiobim, en fait, c'est les talents qui ressort. Oui. C'était caché, même moi-même, je ne savais pas. À force d'écouter, de voir un peu ce que je pouvais faire, un jour, j'ai vu que j'avais le talent pour. Et je suis à l'auteur de composer et voilà, travailler vraiment sur plusieurs morceaux. Donc, vous pouvez écouter encore sur ma page. Quand tu dis à force d'écouter, écouter qui et faire quoi? Bon, c'était vraiment dans le cadre d'écouter la musique. Quelle musique? Parce que là, déjà, dans les traps, afro-trap déjà, au Congo déjà, je ne sais pas si ça existe. Non, afro-trap, bon, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existait pas. Si, ça existe dans le monde, oui. Oui. Ça, je n'en disconviens pas. Mais quand pas. On revient au Congo, voilà. Déjà, c'est rare. Voilà. Donc, à vrai dire, je t'ai basculé de l'autre côté. Ça veut dire, moi, la musique, je l'ai commencé vraiment en France parce que ça fait longtemps que je réside en France. Oui. C'est vraiment ça qui m'a fait ça, c'est côtoyer les gens. Je parle français et... J'ai dû poursuivre bien ma carrière. Un jour, je peux faire une musique en lingala, comme on peut dire, na embeli penzambe. Ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver. C'est vraiment, comme on dit, je suis un artiste. Je suis pas un rappeur. Je suis pas un. Donc, je suis un musicien tout court, quoi. Donc, artiste qui a du temps là. Oui, voilà. Ah, ok.
Et déjà au Congo, tu faisais quoi? Si tu as fait la musique ici en France, et au Congo, tu faisais quoi? Bon, au Congo, à vrai dire, au Congo, j'ai passé un bon bout de temps. Ouais. J'étais plus dans le foot. Dans le foot? Oui, j'étais dans le foot. Et même en France, j'étais dans le foot. J'ai joué à Saint-Jean-de-Luz, chez Jean-Michel Arquet. Il était capitaine dans des années précédentes. Big up aussi. Et après, à un moment, j'ai poursuivi ma carrière musicale, en fait. Ok, merci beaucoup. Là, je vais demander vraiment, derrière notre caméra, JC Mwanda, de me balancer un petit morceau. C'est que ça veut dire que c'est déjà le nom, c'est Ma Beauté. Donc, playback, il y a Guizardo, ou à Célébis, on a créé déjà. Nous avons JC Mwanda vraiment à balancer l'image. Et ça, pour nous, ça a plaisir. Na Mimi Love Bungu, na Cortel Misissa, mettre pas comme les autres. Donc, à suivre Tokutani après playback. T'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je l'ai plié. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je l'ai plié. Et ma beauté, c'est resté en beauté. Ma beauté, ma beauté, c'est resté en beauté. Et ma beauté, c'est resté en beauté. Ma beauté, ma beauté, c'est resté en beauté. Bangote, là c'est Giza. Dans les rap games, je me balade en plein Paname avec ma beauté. Je suis pas là. Bangote, là c'est Giza. Dans les rap games, je me balade en plein Paname avec ma beauté. Je suis pas là. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je l'ai plié. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je l'ai plié. Et ma beauté. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté. C'est toi mon bébé. Et ma beauté. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté. Mais c'est toi mon bébé. Bangote, là c'est Giza. Dans les rap games, je me balade en plein Paname avec ma beauté. Je suis pas là. Bangote, là c'est Giza. Dans les rap games, je me balade en plein Paname avec ma beauté. Je suis pas là. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je l'ai plié. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je l'ai plié. Merci beaucoup, Nabalandi Obautiko. Merci, Najis et Mwanda, Obautiko Tchelabiso. Playback, Oyo. Merci, Lissousou, na Dylan Carlier. Kuna na Kray. Merci, Lissousou, na Bato Soto Oyo, Barolanda, émission Oyo. Déjà, Nzembo Oya, ma beauté. Nous avons un playback, nous avons ma beauté, mais quand on peut recoder ma beauté, ma beauté. Bon, mais quand on peut expliquer la source, l'inspiration de Nzakini. Bon, vraiment, les vraies sources de ma beauté, c'est vraiment un cadre à amour, cadre à bolingo. Donc, comme vous écoutez les paroles, ils ont un cadre à bolingo. Ils ont moi, Sina Moubali, comme dans un couple. Donc, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. En fait, j'essaye d'envoyer ces sentiments-là envers les gens quand ils écoutent ça. Bon, mon âme, tout, abîme ses émotions, son ressenti. Peut-être à Koufele, mon tout. Peut-être à donc, beauté. Même flair à Pamba. Même flair, comme est en émission. Flair, car à Kumbwana, c'est déjà une beauté. C'est vraiment ça. Donc, il y en a l'obéli. Chacun peut s'exprimer comme il veut, mais c'est vraiment un son pour l'amour. Si on est le barab artiste, il y a 80% de la vie privée. Est-ce qu'ils apparaissent dans une zimbo ma beauté? Bon, ça peut être tout à fait normal. Par rapport à quoi? Parce qu'en fait, l'artiste est moussous, en fait, il chante sa vie privée. Il y a d'autres. Ils chantent la vie privée des autres. Vous comprenez? Ils ont vraiment bon. Maintenant, d'accord. Vraiment, la question est d'accord. Pour l'amour,
na yemba ce qui se passe dans mon cœur. Je prends une partie de ma vie privée. Je prends aussi celle des autres personnes que je croise, que je côtoie dans ce monde. C'est vraiment ça qui fait que j'arrive à écrire et à composer mes chansons. Ok. Parmi les rappeurs congolais, parce que parmi les rappeurs congolais, nandingi yo pe okoti na na kata monde ango nani oyo aza idole na yo oyo lingara mingi. Bon, ba rappeur ba ebele na kata kini, mais à vrai dire, la personne que moi j'ai laissé quand il rappait, c'était, je sais pas si tu connais, hein, Marshall Dixon. Marshall Dixon, Nani Yonde, Bangote, c'était ce gars-là. Comme moi, j'avais laissé quand j'avais quitté le pays. Mais après, bon, bah, artiste, eh ben, Belena, dédicacé, bino, déjà, force à vous encore, continuez de bosser. Force à vous, Banani. Bah, artiste. Que bah, Ebani, bah, comboté, papa. T'es, Nayo, Karaba, artiste, bah, tellement Belé. Donc, t'es, quand c'est, eh, bah, c'est Belé, on a, ou, Batalara, déjà, bah, ou, Alicolo, on a, ou, moyenne, ou, Sengis, bah, ou, 1, 2, 3. Bon. Dans chaque catégorie, aux humains, comme. Bon, à vrai dire, personnellement, on a un rap congolais, t'es, n'a qu'un rap, peut-être, USA, Amérique, même rap français. Si. Même rap français. Black, Black, NASA, voilà. Bango. Bon, voilà, j'écoute tout le monde. Na yo ka vraie musique. Mais... Eh ben, idole, n'a pas idole. Bon, idole n'a pas. Idole n'a pas vraiment dans le rap. Mon idole dans le rap. NASA? Vraiment. Bon. Gizardo, est-ce que c'est ça qui profite? Maître Gims, c'est une bonne question quand même. Parce que. Dédicace à NASA, c'est une personne aussi que je connais, mais c'est dommage, c'est pas mon idole. Mon idole, c'est Booba. Ah. Moi, mon idole, c'est Booba, B2OBA, 9D Easy. C'est vraiment mon idole, c'est quelqu'un qui a pris son temps et j'essaye un peu de prendre un peu son exemple. Pas tout, mais les exemples, même s'il y en a beaucoup, mais moi, mon idole... C'est lui que je vois qu'il est. Donc c'est Booba. Oui, voilà. Ok, tu as vraiment vers la fin de notre émission. Ce qui est dans toutes nos questions, c'est que nous avons Flair Monde HD, pour le but que vous avez besoin, ou l'écran en direct. Pour le moment, c'est la fin de Nini. Bon, si j'ai vraiment un message à passer à mes fans, j'aimerais bien vous dire allez-y sur ma page officielle, abonnez-vous énormément sur la page officielle Guizardo DSA43. Allez, abonnez-vous sur toutes mes pages. Vraiment, c'est vraiment... J'ai envie de sensibiliser mes fans, attirer plus du monde. Comme ça, là, ça va donner encore un coup de pression. Comme j'ai dit, les aigles. On a beaucoup de vision. Merci. Ok. On continue même si on est vraiment presque à la fin, mais on continue. Combien de sons aux alentours na marché? Combien de sons? Parce qu'on a vérifié, il n'y a pas de maxi single, pas de single, mais tu as quand même pas mal de sons. Voilà. À vrai dire, j'ai collaboré avec une personne en Hit Ruid. On a travaillé un son en salle, c'est celui-là qui est vraiment sur les marchés. Ça tourne vraiment bien. Et là, dernièrement, j'avais travaillé avec un manager à moi. Bon, voilà, comme je dis, on poursuit encore. C'est dans les marchés-là, ça fait un mois. C'est... D'ailleurs, allez-y, écoutez ça. C'est vraiment lourd. Partie One, sur les terrains, la malade est sous. Allez-y, écoutez, c'est des sons qui bougent. Franchement, écoutez bien. Merci beaucoup. Deux dernières questions. Tes projets pour l'année 2020, parce que là nous sommes au mois de février, et tes projets jusqu'au mois de décembre? Ça, c'est une bonne question. Mes projets, je souhaite à tout le monde déjà le bonheur. Là, je vais parler de mes projets. Mes projets pour 2020, c'est vraiment faire des concerts, vraiment côtoyer mes fans, vraiment faire ces choses-là. Et je prévois de bouger un peu dans plusieurs pays. Donc je vais commencer en Europe. Après, sûr et certain, je vais y aller à Kinshasa. Donc là, je vais sortir plusieurs titres. Je vais pas les dire là tout de suite parce que moi, j'ai envie de surprendre les gens. Ça veut dire, je suis vraiment désolé si vous aimez pas des surprises. Moi, mon propre père m'a dit, quand tu fais ta musique, faut surprendre les gens. Faut pas faire comme tout le monde.
Comme ça, ils auront la difficulté de t'identifier. Voilà, de m'identifier, c'est vraiment ça, merci. Ok, les futurs sont maintenant, c'est pour quand? Les futurs sont, bon, comme on a commencé, on vient déjà de faire le clip Ma Beauté. Oui. Bon, donc ça sera déjà Ma Beauté. Oui, Ma Beauté, c'est vraiment les prochains titres qui vont arriver. Donc, écoutez, partagez encore. J'espère que tu ça va essayer, vous faire parce plaisir. Que, oui. Avec le playback, des fois, ça ne s'écoute pas bien, mais là, maintenant, devant le plateau, donc avec ta voix, voix et les micros, là, tu regardes bien les micros et tu nous fais un morceau. D'accord. Même pas Ma Beauté, mais tu nous fais un morceau. Bon, je vais faire Ma Beauté parce que c'est celui-là qui va arriver. Ah, ok, merci beaucoup. Ma beauté, ma beauté, ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je vais les plier. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, je vais les plier. J'ai les sangs chauds, je vais la ceinture. Tous ces comiques, ils vont bader. Je suis dans la caisse, je vais me balader. Fuck le reste, mange le reste. Elle est plus belle que la Lambo. Lambo, je peux pas passer, je prends son combo, combo. Elle sort dans son tombeau, tombeau. Elle apparaît dans les rétros. Ma beauté, ma beauté. Après, ça monte. Merci beaucoup, merci déjà. On est ici pour nous faire le plaisir. Na Ornella et Sambo. Hein? Ornella et Sambo. On a ici, Ndjembo, na dédicace. Yo, na Poko Alelo. Un mot de la fin pour tes fans et pour les fans de Flair Monde HD. Un mot de la fin. Je commence déjà par dire merci de la force. je manque même des mots. Ouais. Donc, hein, ça vient du cœur. Cortel, Mississa, maître, blessé. Nabinga, frère, c'est mon frère. Dylan, on est ensemble. Wemo, toi-même déjà. Ouais. Beaucoup d'estimation. Merci beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de frères et la famille. Big up à ma team qui est à Kinshasa. Nishundoma, hein? Merci encore à tout le monde. Boza telme belé qui est. Gizan, la ligne arabe. Excusez-moi, la carte sur le bateau, mais quand même, aussi rap, rap au congolais, hein? Rap au congolais. Congolais vivant à Libanga. Bon. Balobi, Libanga, micro zayo, dédicacé bateau pour soutenir. Bon, c'est vraiment le rap. c'est pas le rap congolais, mais Libanga. Tout ça là pour les émissions noires. Pierre Libanga. Merci Nathan Akordenga. Na dédicacé Lissousou Nishundoma, Laurette Ndoma, Francis Bakanga, Masanangaï Jens, y a parlé à Montema. Na dédicacé Sousou Babo Tinanga déjà. Maman Irène. Hein? Na bingawa ya Irène. Maman Nanga déjà à Montema. Na dédicacé Baz Bazoulou. Na Sonobi Bazoulou. C'est que ça déjà, Moutoumoko Komune Zulu. Vous comprendrez? Zulu, Mabende Zero. Basse Gare du Nord. Saint-Tir à Makassi. Baya ya Obachanga Pina. À l'aise. Na se senta vraiment à l'aise quand je suis avec eux. Donc merci encore les frères. Ya Moutema. Merci. Question mon lingala Tunao. Question ya Souka vraiment. Et Chapa Kinga. Par rapport aux musiciens congolais, au concert au Beta le 28, fallait au Beta, Nino au Beta, Inob sur au Beta en Europe, dans l'ingé Europe. Avis na ouzani par rapport à réaction au congolais, des bons lingatés au concert au Beta. Bon, exact que avant la bande non, na bande non, na politicien t, na musicien, donc automatiquement, er na ouka musique faut. Pour comprendre le quoi, na. Les musiciens, on est des humains comme vous. Pour nous, nous avons fait un concert. Pour nous, nous avons présenté un bisou. Vous comprenez, nous avons fait une politique. Pour nous, nous avons fait un bon mot. Vraiment, nous avons fait un talent. Avant, nous avons fait un talent. Donc, nous avons fait un talent. Nous avons musique n'est bien. Donc botika abeta a découvrir mokili amona bakangila mutu porte poto vivara une fois. Donc botika babeta c'est donc vraiment ça mon opinion. Ah, ok, merci beaucoup. On a vraiment tokaboni awa
tukabwani tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Merci à toi JC Mwanda Wazaki Bongo na sima caméra, réalisation montage JC Mwanda toujours. Merci na Gilles Dikando Yama pour finini. Merci na Dylan Carlier na Cray. Merci à toi aussi maître Missis. Yeah. Maître Cortel Missis pas comme les autres. Machichi, Mamado, ma Petronel. Balobi wana ba base na ngaya Belgique. Et aux hommes la demeure est mobile, c'est que ma titi, ma mado, ma Petronelle, basée à côté, les ma vie n'a pas jongé dans l'ami de tout le monde, monte ma bichika pika. Donc Naza toujours on a Nazo Zela, Willy Kiwa, Flamme d'Angola, Leila Bankou. Donc bon continuez toujours qu'on s'abonner na Flamme Monde HD, Lelo na Elbino Gizardo. Na prochainement, na bossani moi dédicace na ngai, na frère na ngai, JC. TV. JC Mwanda TV. Ngana bingo kaka JC TV. Oba tutu azo benga na kombo vraiment mulai. Nga bingi kaka JC TV. Yo boy no monotonie hein. Dédicace non papa. Merci encore. Avec la force que tu donnes aux artistes. Abonnez-vous sur la page. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, ma beauté, t'inquiète, tout est carré. Ma beauté, ma beauté. Ma beauté, t'inquiète, je vais les plier. T'es au fina bango. Donc, abonnez-vous sur la page. Merci beaucoup. T'es au coutani bongo, mbale asima. Merci.